La première des actions en faveur de la transition écologique, celle qui est la plus urgente, c'est la réforme de l'agriculture. Ce lien par lequel nous communiquons avec notre environnement, ce lien par lequel nous existons sur cette terre comme avec un cordon ombilical, puisque nous sommes faits de ce que la terre nous donne, et que la fonction principale pour gérer les écosystèmes étant l'agriculture, qui quand même a bien dévié de sa mission depuis quelques décennies, nous devons absolument réformer notre comportement, nos façons de traiter la terre, de cultiver la terre, et ça je crois que c'est l'un des éléments les plus urgents de notre époque pour avoir une alimentation qui corresponde vraiment à nos besoins physiologiques et biologiques, sinon ça va être très grave, de la crise démographique ou à la crise énergétique ou écologique, on va passer à la crise sanitaire. Et ça va être dommageable pour l'ensemble de l'humanité. Donc nous avons ce devoir et cette urgence à régler qui est la réforme de l'agriculture, qui est l'une des activités, qui est l'activité essentielle sur notre terre. Parce que la crise peut s'aggraver, mais on peut se passer de tout sauf de manger.